Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve à la suite de Persona 5. Précédemment, nous avons continué et bien, notre exploration du palace de Shido. Nous avons récupéré, je crois, 4 des 5 lettres de recommandation. Bah voilà, find the last letter, get the last letter, vous pouvez le voir à droite. Donc je dois aller dans la salle des machines qui se trouve juste à côté de là où je suis en fait. Mais bon, je me dis que mes ressources commencent un tout petit peu à diminuer. Et que ce serait peut-être pas si mal que ça et bien, de retourner dans le monde réel. Pour faire le plein et surtout profiter eh bien de peut-être avancer quelques social links et demander des nouvelles cartes à Yusuke pour le nombre de cartes vierges que je viens de récupérer. Après tout, il nous reste 19 jours avant la fin de la timeline. Je pense que j'ai largement le temps pour me permettre de faire ce petit retour dans le monde réel. On va retourner à l'entrée du palace. Alors juste avant de revenir dans le monde réel, par contre, je vais quand même faire mon petit saut habituel à Velvet Room. Hein. Donc comme d'hab, hein, là... Vous la sentez venir, la vidéo qui va durer 15 minutes, où je vais passer juste des minutes dans la Velvet Room. Voilà. Pour l'anecdote, j'enregistre tout juste après la mise en ligne de la vidéo 209, qui est justement une vidéo de Velvet Room. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'en ai récupéré beaucoup. Fuse by result. Alors, par level, voilà. Si belle. Ok, ça va être genre healer ultime, alors avec Baphomet et Pramatin. Revive full, full HP. Eevee blaze damage sur tous les ennemis. Et augmente de 50% les dégâts des attaques magiques et peut se stack. Ouh, ça sent bon, personne. Bon, faut au niveau 73, je pense que j'en suis encore loin. Bon, j'ai encore. Encore Siegfried qui est là. Lui, je pense que dès que je serai niveau 69, je le ferai. Hanuman. Ok, donc c'est lui, Hanuman. Donc ça, je m'en fous. Forneus, je crois. Forneus, c'est ce truc-là. Bon. Ouais, je suis pas trop fan de celui-là, Forneus. Oh, Quetzalcoatl. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai pas commencé ce signe de l'Arcane of the Sun. Mais c'est le dieu serpent aztèque, Quetzalcoatl, c'est pour ceux qui le savent pas. C'était aztèque, c'est ça? Attends, est-ce que je sais? Attendez, c'est aztèque? C'est ça, c'est aztèque. Parce qu'en fait, les aztèques et Maya avaient le même dieu, sauf que, enfin, ils avaient tous les deux un dieu serpent à plumes. Et en fait, les aztèques c'était Quetzalcoatl, et pour les Mayas c'était Kukulkan. Mais c'était deux noms différents pour la même divinité. Donc pour ça, c'est... Voilà. Vous voulez juste pas dire de conneries, Quetzalcoatl, c'est la version Maya. Version Aztec. Sérieux, sérieux, faudrait que je me le fasse, peut-être. Kuramatenku, Skadi. Ah, mais Skadi, j'aime bien, c'est qu'elle a le combo insta-kill, alors faudrait... À moins que je puisse... Ouais... Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup avec Skadi, quand même, dans le mélange. Alors c'est vrai que j'ai toujours King Frost. Ouais, mais en fait il a moins de stack que Scali, il a de l'endurance, mais... Ah! Oh, qu'il est beau! Ah, je me souvenais que dans Persona 3 il était entièrement doré! Ils ont un peu changé les couleurs par rapport à ce que je me souviens. Ok, alors attends, je peux le faire avec quoi? Tos, Tatiana... Enfin, Titania! Ah, mais vous êtes sérieux? Bon, c'est vrai qu'il a le meilleur stat en attaque magique. Et c'est vrai qu'il a l'air d'être plus pour les attaques magiques dans celui-là. C'est dommage, dans Persona 3, c'était un gros Persona physique. Dans mes souvenirs, en tout cas. Pourquoi j'en ai fait un putain de Persona physique? Mais après, je peux lui prendre Makuga. Et il a. Après, il y a une seule faiblesse. Et alors, il a une absorption, une annulation, une résistance pour une faiblesse. C'est pas si mal. Bon, ben, j'ai 4 trucs. Ouais, je pourrais faire un bon groupe. Ah ouais, mais par contre, en termes de stats, il... ça qui m'énerve, c'est que là, les personnages que je peux faire, ils sont en dessous de ceux que j'ai. Moloch. J'avoue que là, Moloch, par contre, il envoie. J'aime pas son design. Vraiment, je trouve le design bizarre. C'est Canine Ghostfire, bonne statue of a man, double head, dead in his alter. Ouais, c'est un torse, c'est un double. Waouh.
J'ai dû. Ouais. Bon, après, ça fait beaucoup, beaucoup de résistance pour une seule faiblesse. Et il a des stats supérieurs. Par contre, du coup, il faudrait qu'il puisse prendre. Ouais, mais là où c'est chiant, c'est qu'en fait, Queen Mab, c'est un peu mon persona de buff. Donc, il faudrait que je remette tout. Et de heal. Et de dégâts en même temps. Ouais. Putain. Ah, j'ai dit 10. Bon, je crois que je l'avais déjà. Avec Baphomet, c'est ce qu'a dit. Ouais, bof. Avec Norn et Skadi. Oh là là. Bah attends, Black Rider c'est pas Death. Ah non, c'est Famine. D'accord, Black Rider c'est Famine en fait. C'est le cavalier de l'Apocalypse Famine. Bon, Tower, bah pourquoi pas. Bah excusez, mais attends, mais c'est mort ou c'est pas mort? Par contre, en vrai, lui, ça peut faire une bonne fusion, parce qu'il a autant d'attaque physique que... Ouais, même si j'ai pas de bonus, je pense que je vais le fuse. Je pense que je vais le fuse. Ouais, ça me semble pas mal à faire. Parce qu'alors, increase attack pour tout le monde, ça, c'est ce que ça, je l'ai pas ailleurs. Non, faut qu'il saute directement début de combat, c'est pas personne, j'aurais forcément début de combat. Ouais, je vais garder Counter Strike. Allez. Allez. On se crée famine. Hop. Bah attends, en vrai, je pense que je vais faire des fusions. Alors, très gros guillotine. Alors, normal fusion. Alors, toi, qu'est-ce que tu me débloques? Alors, tu me permets de. Ah! Attends, en vrai, parce que lui fait super mal. Ouais, mais en fait, j'utilise déjà Anne. Ouais, j'ai déjà Anne que j'utilise très souvent. Alors, Moloch avec Nord. Ah, par contre, là, ça me permet d'avoir Moloch. Non, là par contre c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir Moloch sans avoir... Parce qu'en fait ce qui me faisait chier c'était de sacrifier Queen Mab qui me permettait de faire les buffs, des buffs et tout ça. Là par contre ça devient intéressant. De faire Moloch à partir de ça. Alors, attendez, on va voir ce que... Est-ce que je peux en mettre 3. Alors moi ce que je vois c'est ça. Ça. Attendez. Ah, ça par contre c'est naze, stagnant air. Parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, à me corriger si c'est le cas du coup, mais un, augmente les chances d'infliger des altérations d'état à tous les combattants. Ça veut pas dire aux ennemis, ça veut dire nous aussi. C'est pour tout le monde. Mais genre littéralement tout le monde. Donc en fait c'est naze. Non, parce qu'en fait je pensais faire ça et ensuite lui mettre la compétence qui permet de confuse en fait. Histoire d'avoir le combo pour augmenter les chances de confuse et ensuite je confuse tout le monde. Comme ça, ça me permettait d'avoir autre chose que Yusuke pour Confuse, mais après, en vrai, ça peut être une utilité. Donc ça donnerait ça. Tantarafu pour Confuse. Flash Bomb, je m'en fous. Et je lui mets le buff d'attaque. Parce que ça, bon, j'ai déjà des persos qui le donnent. Attendez, avant de faire ça... Je vais juste faire un truc, je vais aller dans le Compendium. Je vais registrer les personnages que je les ai. Hop. Donc c'était Black Rider et Norn. Il me permet d'avoir lui. Et donc je lui donne les Vickers Damage sur tous les ennemis. Parce que ça peut toujours être utile. J'en ai pas eu beaucoup, donc autant profiter maintenant que j'en ai un. Un truc pour Medium Chance Confuse qui peut être augmenté par Stagnant Air. Et une le buff d'attaque, parce que je crois pas l'avoir sur d'autres persos. Ou alors le Prevent Brainwatch. Ah, c'est pas mal aussi.
Après, je vais pas m'amuser à foutre que des buffs avec Alexou. Et justement, j'ai un truc relativement tanky, donc si je peux m'éviter d'être. Ouais, je vais éviter le brainwash. Parce que là, ça ressemble à. Là, c'est franchement un build de. Ça fait vraiment très tanky en fait. Avoir quasi que des résistances, une seule faiblesse, et en plus, il y a une stat d'endurance qui est pas dégueu. Hop. Hop, et il level up. Il me débloque quoi, toi? Unman. Ah non, c'est putain. Je l'ai reconnu jamais avec les noms. Ah, Tchernobok, par contre, je me souviens pas l'avoir vu. Ah, c'est lui! C'est lui. D'accord, je reconnais le Persona, c'est le truc champignon là qu'on avait affronté. Blood Bass, Physical Damage, All Falls, Lotions of Fear. Ouh, délit, je suis à Physical Damage, Power Up, After a Button Pass. C'est sympa! Et en plus, ouais, il y a deux faiblesses, mais il y a beaucoup de résistance aussi. Ça fait quoi? SKD et Moloch? Ah ouais. Pas ouf par contre, ce qui me sert pour le fusionner. Bon, lui, je l'ai pas encore. Alors, Baphomet, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux faire Melky avec. Ouais, mais il a moins de stats, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, il a moins de stats. Donc c'est pas super intéressant. Il y a de l'hélice avec Skadi, mais j'ai pas particulièrement m'en servir. Kurama Tengu, il sert à quelque chose. Je peux me servir pour Seryu. Seryu, il a quoi en stats? Ah ouais, ça. Ripple Nuke. Oh, il a Ripple Nuke, donc ça fera un personnage sans faiblesse. Ah, lui, il peut être super intéressant. Donc, ouais, je vais garder Skadi et Kurama Tengu. Ensuite, comme ça, je peux remettre le combo One Shot des Megiddo. Parce que lui il a déjà Bufoudai, donc comme ça ce sera déjà fait. Donc ensuite tu gardes le combo one shot, qui peut toujours être utile. Et je lui mets Megiddo, et ça me fera un attaquant magique un peu pas mal, qui a un buff de défense, qui a un duel, qui sera sans faiblesse. Ce sera pas mal, ok, donc je garde Kurama Tengu Skadi. Oni, il y a un truc que je peux faire avec toi ou pas? C'est vraiment mort de chez mort pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant avec Pony. Ouais, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Hein. On va le garder jusqu'à la fin. Queen Map, alors qu'est-ce que j'ai d'intéressant avec Queen Map? Ouais, non. Non. Ouais, non. Lui, il a un debuff. C'est total. De toute façon, je vais garder jusqu'à la fin du jeu. Je crois, debuff. Oh! Ça pourrait être un coup à jouer, ça. En gros, ce que j'ai en tête là. Là, ce que j'ai en tête, en fait, c'est fusionner Queen Mab. Et en gros, ah ouais, putain, ça qui est tellement. J'ai mis tellement de bonnes compétences sur Queen Mab. Enfin, des compétences qui. Des attaques et tout ça. Bon, après, tu me diras, je m'en sers pas beaucoup pour les attaques, lui. Et puis là-dessus. Parce qu'en fait, du coup, je lui mets 3 buffs. Bah, le debuff et les 2 buffs. Après, en vrai. Parce que j'ai toujours Makoto dans mon équipe et Makoto est super utile, donc j'ai toujours le buff de défense. J'ai toujours Anne dans mon équipe. Donc j'ai toujours le debuff d'attaque. C'est pas facile, mais ça peut être un truc à faire en fait. C'est-à-dire, je fuse Titania pour transmettre les trucs que je veux de Queen Mab. Et ensuite, je rachète Moloch pour garder Moloch quand même. Et du coup, comme ça, j'ai un truc avec des meilleures stats que Queen Mab. Ouais, je vais y réfléchir avant de le faire. Arsène, bon lui, je veux le garder, mais je suis juste curieux. Non, Skadi. Non, ça personne sa faiblesse quand même. Ouais, mais ce qu'a dit, je dis touche pas, j'ai dit Toss. Moi j'aurais bien fait un truc en fait avec Toss. Oh bon. Bah, Toss il attendra son heure. Il attendra son heure, Toss. Vu que Cerberus, à mon avis, je vais le garder pendant un bon moment. Ouais, je pense que ça va être ça. J'ai... Bon. C'est pour ça que c'est. Et Itimaze, je vais être chiant, hein. Mais. The Goose, Gardine. Ah ouais, par contre Titania Mediaran quoi, c'est. Ah ouais, c'est la carte.
Là, par contre, c'est vrai que j'ai une version de Titania assez énervée aussi. C'est vrai que j'ai déjà une version de Titania qui est vachement énervée. Bon, on verra peut-être un peu plus tard, mais par contre, ouais, faut que je garde Toss et Arce et Cerberus pour Siegfried. Bon, bah voilà, j'ai fini. Et donc, comme je l'ai dit, hein, la vidéo de 15 minutes dans la Velvet Room, exactement. Eh, j'ai même pas fait exprès, mais c'est exactement ça quand même. Bon, allez, on va retourner dans le monde réel. Alors, c'est parti. Alors là, ça va être énervé, je le sens. Ça va? J'ai fait assez de trucs dans le donjon avant de revenir dans le monde réel ou pas? Oh la vache! Alors, distorsion de la place devient plus forte. Il est clair que c'est un signe clair que le trésor est proche. Ok. Bon, en même temps, on a que la dernière lettre de motivation, lettre d'introduction à récupérer, donc c'est pour ça. Et donc, c'est exactement pour ça que je vais retourner dans le monde réel. Hop! Allez. Au dodo.